إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله تغادي remerciement والله سبحانه وتعالى celui qui par ce pavé n'a encore toujours vivant le salat d'Allah et par sa permission n'a encore toujours pu faire ce ibadat. Le bénédicte qu'est musulman, c'est sa même plus grande faveur qu'il ait ressenti depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit de l'islam dans ce léguer. Allah rabbul alamin fit de tawhid dans ce léguer. Et alors, un plus grand effort que chaque musulman vise à faire, c'est préserver sa aqida de tawhid là dans nous léguer. Alors, nous continuons avec Kitab al-Tawhid de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, chapitre 7 et 8, dans lesquels Cheikh Pekos concernant une conception qui. Il n'est pas possible un musulman, il dit à un musulman, ensuite il croit dans le contraire. Mais quand nous dit majorité musulmans, il dit à les musulmans, ensuite il peut croire dans quelque chose qui peut contredire ce aqidah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cher ici, mais pour ce concernant, peine personne qui est capable de repousser un malheur de n'importe qui s'en là. Peine personne qui est capable de protéger contre un malheur. Peine personne qui est capable de repousser un malheur de nous. Alors ça c'est conception que l'islam vient avec ça. Ça c'est conception que le Coran vient avec ça. Mais nous trouvons prédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment un adimun, les mécrois, un bout de la corde rouge ou bien la corde noire, ça vous protège les contre les mal. Les mécrois, un petit bout de tawise, ça vous protège les contre les mal. Alors ça c'est une conception de shirk que l'islam vient pour combattre ça. Allah subhanahu wa ta'ala les dit قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الله تعالى دي أفهم وقوسنا بان كيزن بينفوكي أبوت الله سبحانه وتعالى نفوت كيسنا كيزن كباب بينفوكي أبوت الله سبحانه وتعالى Demande-lui si Allah ne touche pas un mal ou un dito. Est-ce qui, Saban qui je peux invoquer apporte Allah, Saban là capable, enlève sa dito là, je suis capable, repousse sa dito là. Donc, par sa ayat là, Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous que si Allah t'a la binoulé ou touché par une maladie, peine à prophète, peine à fil, peine à wali Allah, peine à guérisser, peine à personne qui vous capable de protéger ou bien vous capable de guérir ou si Allah subhanahu wa ta'ala l'élibinoulé ou touchez pas ça. Donc ça c'est un aqidah clair qui est dans le Coran, c'est un aqidah clair qui l'islam vient avec ça, qui si Allah ta'ala il nous l'a dit d'eau, peine à personne qui vous capable de repousser ça, pas un bout de la corde qui vous voit pendant dans le oulikou, ou bien si pas imam, ou bien miadji, si pas qu'il rayé la donne des trois numéros, l'idée nous pas ta ça avec vous, alors mais quoi, ça vous protège contre le mal. Allah subhanahu wa ta'ala le dit, wa iyam saskallahu bi dhullin, fala kashifa lahu illa hu. Si Allah t'a la vie ne touche pas pas le mal, peine à personne qui ne pourra pas enlever ça excepté lui. Si Allah t'a la vie ne touche pas pas une maladie ou bien pas n'importe qui problème, peine à un autre qui ne pourra pas enlever ça de toi, peine à un autre qui ne pourra pas résoudre ce problème là pour toi. Si Allah t'a la vie ne touche pas le qui te touche pas ça. Donc ça c'est des ayats. Sinon quand nous pouvons dans le Coran encore, il y a les autres ayats qui peuvent mettre les clés là, comme ça, qui Allah Rabbul Alamin, les tout seuls qui peut administrer ça le monde là, Allah Rabbul Alamin, les tout seuls en tant que les créateurs uniques, propriétaires uniques, décision trouve juste dans cela même. Le prophète il n'a pas influence, décision Allah subhanahu wa ta'ala, wali Allah, il n'a pas influence, décision Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui Allah nous l'est, les tout seuls pour un dito, peine la personne qui vous capable sauver de ça. Ensuite, le même hadith. قد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي من تعلق تميمة فقد أشرك نبود كسنة كأبود تميمة لنفني في الشرك نبود كسنة qu'il n'a pas d'un tamima avec lui, l'infini fait un shirk. Qui est un tamima? C'est celle qu'il appelle Tawiz.
C'est ça même qui nous appelle Taouise, ban, un bout de papier, ou bien la scène qui a un bout de les os là-dedans, ou bien ce papier qui a la côte noire, un papier qui a un petit sable là-dedans, après qui il mettait là-dedans, il dit de nous ça, il dit oh God, nous God ça avec vous, ça vous protège contre Satan, ça vous protège contre l'Égypte, ça vous protège, mais ça vous protège. Donc tout ça là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. N'importe qui s'en a, qui est dépendant, un tabis avec lui, en vérité, l'infini via chirque, un témoin en vérité, c'est une intimité raisonnement. Dans son esprit, Allah Rabbul Alamin, créateur de l'échelle et la terre, nous quitte lui pour qu'il nous mette nous l'espoir, nous un petit bout de la côte qui nous a tassé dans les bras, ou bien la côte qui nous a pendu dans les goûts. Est-ce qu'il ça bout de la côte, mais ça bout de papier là, ça vous protège nous contre le mal, pénadoute. Qui celui qui le vit contre le tawhid, par permission Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas tombé dans sa qualité shirk là. Et comme ça même, rapportez pas Abu Bashir al-Ansari, il dit أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من ودر إلا قطعت صحى بالألجية وتشانسام برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوياج لبوبك نواي جيمون نجية عليه نقود كي سامو qui te trouve dans ce licou, Jonathan, qu'on a la côte, dans ce licou, elle coupe ça la côte là, elle coupe ça la côte là. Imam Malik, rahimahullah, d'explication sa hadith là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne, pour le coupe ça va la côte, qui se permettait dans le licou, ben ça ben la côte, dans l'or. Si tu peux prendre ça à la côte là, si tu peux mettre ça dans les coups d'un chameau, comme une protection. Comme une protection. Alors le prophète qui dit, allez, n'importe qui chameau qui te trouve, et n'est la côte dans ce licou. C'est pas la côte qui va t'assister pour garder, non. C'est pas la côte qui se t'appendra avec lui, comme une protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, allez, coupe ça à la côte là. Donc, ça montre nous qu'un musulman, quand il est là pour cette protection avec Allah, ou bien il y a des animaux qui les veulent soigner, ou bien il y a des loto qui les veulent acheter, c'est pas quand ils peuvent écrire Allah, ou bien Muhammad, ou bien ils peuvent mettre un petit doigt là-dedans, ça pour protéger les noms. En vérité, ça va être qu'ils sont là, ils ne font pas partie même de nous dire. Dans l'islam, balancez-nous. Dans nous la case, nous mettons Allah, ou bien nous Muhammad, ou bien être le coursi, ou bien ça, dans nous dire. Parce que dans la case, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, là pas qu'il n'y a aucun cadre qui tienne à nous Allah là-dedans, ou bien qu'il n'y a pas être le coursi, ou bien ça va être quelque chose là. Et en vérité, ça va être une pratique là, il est capable de nous vers sa conception, qui, quand nous mettons un cadre dans la case, quand nous courons, si pas de la boucherie, ou bien nous pourrons dans le magasin, des balles qui sont légalement, ou vous trouvez dans ce taouis, dans ce doigt, comment dire ça qui peut protéger, ou bien ça qui peut faire par la quête dans ce travail. En vérité, un musulman, il vient dans la conception, c'est qu'il y a l'un d'écrire pour mon travail à aujourd'hui, ça même pour gagner, pas pour gagner, pas pour gagner moins. C'est qu'il y a l'un d'écrire pour mon gagner à aujourd'hui, ça même pour gagner pas plus, pas moins, pas à moi, t'as un bout de. Un nom Allah dans la place que vous pouvez travailler, ou bien dans vos camions, ou bien dans vos auto. Vous pouvez croire que vous pouvez appeler beaucoup de barakat, vous pouvez croire que ça vous protège moi contre l'Igé, ou bien ça vous protège moi contre le mal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut dire, n'importe qui samo qui te trouve dans sa lacôte, là dans ce lit, coupe sa lacôte, là c'était, mais dit, Allah vous protège de samo, pas sa route lacôte là. Alors, comme ça même, Allah vous protège, nous, c'est pas taouise, ou bien la peau noire, ou bien un petit bout de papier, c'est pas qui vient de nous pour attraper avec vous. Mais n'a doute, qui ça c'est ban, qui dans les gommants, pas juste dans les gommants, dans le chien, c'est ban du monde qui peut qu'un ou leurs ans. C'est ban du monde qui vous m'a dit, mettre la main dans le poste, les tiens quantité qui voulait ou accepter pour lui donner ce ban qui a été leurs ans là. Allah repose la mine, il informe nous, oui, il n'y a pas de problème satanique. Mais n'est-ce pas musulman qui vous dit non, pas existe ça. Problème satanique, il existe, l'Igé existe. Satan rentre dans le coin du monde, il manifeste, existe. Coran, puis enseigne nous ça, nous c'est solution sa problème. Là, avec Coran, nous n'avons pas le droit de solutionner ça, mais le problème là avec les autres petites choses. Alors, Allah, Rabbul Alamin, il vient pour nous. Les prophètes viennent pour nous. Comment pour combattre ça, le problème là, ou bien qui solutionne ça, le problème là, c'est le retour du Coran. Nous lions le Coran, nous attrapons le Coran. C'est un moyen pour combattre la sorcellerie ou bien problème djinn ou bien l'Igé. Nous, on prie, comment il y a certains djinns,
Les faciles, il y a même sur la vie pour m'aller en vie, il n'y a pas pour le Coran, il n'y a pas pour sang sur la vie, il n'y a pas pour dresser sur la vie, les cousins, ça prend l'argent, les cousins, ils vous donnent la main dans la main, il y a dit, vous donnez un petit fatiha ou bien un petit taouise, ils vous mettent ça, alors, soi-disant, ça vous protège. Alors, quand on dit, après, que c'est un légalement de Akida, c'est aussi l'imbécilité pour m'aider, ou elle sait pour l'argent dans le vide. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ta'allaqat shay'an wukila ilayhi. Celui qui n'a pas quelque chose, se dépendance à l'eau-là. Se dépendance à l'eau-là. Ou abandonne la côte noire dans les coups ou bien dans les bras. Après, on peut dire Allah pour protéger. Mais si Allah pour protéger, Allah pour protéger. Qui relation est là entre protection à Allah et sa la côte noire-là. À cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire quand un dimon, il commence à mettre ta wise, sa dépendance ou Allah enlevée. Un dimon, s'il met ta wise, pas errer si ce taouis il sorti, il sentit les malades. Pas errer si vous m'avez dit, il y a une période rissante, il sentit les malades. Qui fait? Parce qu'il se dépendance, l'eau-là. Se dépendance, l'eau-là, l'ennemi est l'indépendance, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est une pure vérité. Quand nous avons un qui croit dans sa banque de choses-là, veut dire comme si Allah ne plus existe, ça qui vous protège. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala vient de nous un dîme pour qu'il nous vive au salatiala avec un aqidah propre, un aqidah pur, pour qu'il nous comporte nous comme Bandimoun qui a l'intelligence. Nous n'avons pas vu Bandimoun qui peut croire ça qui te chose là pour protéger moi, ou bien l'autre qui te chose là pour protéger moi, ou bien si mon attache ça à moi, ou bien mon attache mon appendre à l'autre l'affaire à moi, ça va, ça va qui te chose là pour protéger nous. Et quand nous vous lire dans certains livres qui viennent écrire, bon, Bandimoun qui d'aller comment, je t'ai nataouis pour lire quand lire. Les yeux font mal, les oreilles font mal, les nénés font mal, la langue font mal, les tout qui sont en taouis. Ça veut dire un business qui garantit ça. Au problème, ou madame, pas correct, ou bien au monsieur, pas correct, venez tout problème, je vous donne un taouis, au problème, vous résoudre. Alors, il y a tout qui ça c'est. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les divins, le salaté là, vous dire, venez, qui n'importe quel problème, que là, vous voulez résoudre ton problème, non. Le prophète est venu la terre pour montrer nous aïe la ton chemin vers Allah. Ça, c'est ce chemin pour qui va mettre vers Jannah, vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le rôle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas comme ça, c'est un dimon qui, comme on dit, c'est le rôle au salaté là, c'est guérir dimon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est loin de sa qualité là. Alors, comme ça même, le gars, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un sahabi qui appelle Rouaïfi, la'alla al-hayat yatoulou bik. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجع دابة أو عظم أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. Et pour vous dire, il y a peut-être qui te bougent un long la vie, il y a peut-être pour vivre, tu prends encore vivant. Alors, dis à Sabandimoun qui je peux mettre né dans cette là-bas, ou bien je crois pendant la côte là. Les autres, ou bien les autres bacs, les autres animaux, ou bien qui, quand je pour purifier, je connais toi, je vous prends les autres, je connais toi, je alors, Père, ça va me dire, on la connaît, qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien à faire avec eux. Père, ça va me dire, on la connaît, qui le prophète, il n'a rien à faire avec sa qualité, dit mon là. Donc, qui ne comprend pas ça, celui qui, il voit la pente, et dire, la côte, l'or, dans ce, l'eau se lit ou même, ou bien l'eau se. Les coups aux animaux, comme une protection, comme un tamim, comme un taouir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais ça, ça m'a dit, on la connaît, on n'a rien à faire avec eux. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam me pose, moi, autant dur envers sa pratique-là, on n'a rien à faire avec ce qu'on appelle Atas taouir. Donc, il n'est pas possible, comme on dit, aujourd'hui, taouir, je viens de sa même médine. Le gars Ibrahim, un nakhaï, un peu un tabi'in, il dit, quand nous yakraouna tama'im, kullaha, min al-Qur'an, wa ghayr al-Qur'an. Les compagnons d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, Ibrahim al-Nakhaï, c'est un tabi'in, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud, je peux détester ce qu'appelle Tamima, même si c'était avec le Coran. Même si c'était avec le Coran. Donc, Tamima, c'est qu'on va prendre n'importe qui soit avec vous, ça c'est chiffre. À part le Coran, un ayat Coran ou attaché ou garde avec vous, est-ce que ça c'est chiffre? Alors ça c'est une deuxième question. Mais il y en a d'autres qui
Il y a quelque chose qui est une divergence pour là, il y a certaines samadhiya, à l'exception du Coran. Sendimun, l'ingad ayat al-Kursi avec lui, ou bien surah Qul Huwallahu Ahad avec lui, l'inatassa avec un intention, Allah protège-moi, nous n'avons pas pour dire ça, shirk, parce que ça c'est le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, mais il reste qu'il n'a pas correct. Il reste qu'il n'a pas correct, on le trouve, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui peut détester ce qu'il appelle Taouiz, même si c'est avec le Coran. Même si c'est avec le Coran, et comme on l'a dit, si un dimon lui met Taouiz Coran, ensuite il va rentrer à la toilette, ou bien il met Taouiz Coran, ensuite il va sourire, ou bien il met Taouiz Coran, ensuite il demande les bijoux, il t'a mis à mal copté. Et puis il y a d'autres qui sait, ou bien manque respect au Coran, ou bien manque respect au Coran. Donc, un musulman, les vis inconscients, qu'Allah vient écrire ce qui va arriver, il dit bien, Allah vient écrire ce qui va arriver, il dit tout. Il vit dans l'obéissance à Allah, il prend ses précautions, il demande à Allah de la protection, il n'a pas attaché sa dépendance, le un bout du bois, ou bien un bout de la côte, ou bien n'importe quelle chose, il vient mettre sa dépendance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أبغي من خير شيء الإسلام ستندين كومبلي وكان نو بتروب الامبورتانس للتوحيد إماجينو رسول الله صلى الله عليه وسلم pendant 13 بانانيه qu'il était à Mecca لنغس كوز لو توحيد لنغس كوز لو عقيدة وكان نو جيت عزو تيزو كما جمول في توم تلقاما Il y a certains manjamans, ils sont capables de dire je ne fonde cette conception si pas le djihad. Virer tourner djihad, virer tourner djihad. Je néglige ce qu'appelle l'aspect de l'akida. Et là, il y a où, si pas khilafa. Virer tourner khilafa, virer tourner khilafa. Il n'a pas cause, non, rien avec quoi, à part ça, c'est là. Et là, il y a où, si pas. Fait à Banna, c'est pas Fazaïli Amal, virer, tourner Fazaïli Amal, il n'a pas pour cause avec vous, corrige ou aqida, corrige ou ibadat. Alors, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 15 ans, il reste corrige aqida de Bandimoun, il reste corrige aqida de Bandimoun, donc nous pas capables, nous, aujourd'hui, nous dire, nous l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite nous dire, chacun soit aqida pour lui, chacun soit aqida pour lui. Comme certaines, je t'essaie, comme je dis, en bête d'immun pour ça, pour faire croire, je peux vouloir l'unité des bannes musulmans. Nous voulons unir les bannes musulmans si nous pouvons cause Akida. Pour la division, nous arrêter cause Akida, nous pouvons unir. En vérité, si nous réfléchissons, l'islam est musulman. L'islam, c'est din Allah Rabbul Alamin. Nous ne sommes pas capables, moi, pour faire un tracas bannes musulmans, et quand on fait un tracas musulmans, pour écraser din Allah. Pour faire un tracas au premier l'islam. Qui est l'islam qu'elle a préparé là? Qui est l'islam qu'elle a préparé? Est-ce qu'il y a dans l'islam, il y a un taouiz? Est-ce qu'il y a dans l'islam, il y a un tel chose de la telle pratique, si on a nous fait, si on a nous n'a pas fait, ensuite moi je vais être à mon bon frère musulman, je ne vais pas être à mon bon frère musulman, et qui ne va pas connaître moi, donc l'islam me dégoûte. Donc quand nous comprenons l'importance de Tawhid, nous pouvons comprendre toutes les choses qui contredit le Tawhid, les graves, et les amènent des allégements surtout, les plus graves encore s'il y a une conception des couples. Alors quand nous prenons ce qu'ils appellent, ce que je t'appelle Noël, c'est célébration, naissance des Jésus qui se finent déclarer, se finent prétendre, veut dire garçon bon Dieu, et la place de dire lui-même bon Dieu. Donc, quand ça c'est va dire, l'origine de sa fête-là, je peux célébrer qu'était naissance garçon bon Dieu, je peux célébrer qu'était naissance bon Dieu. Mais toi, quel musulman, tu crois dans Allah, tu crois dans les créatures qui uniques, puis enseigne-toi Tawhid, puis dis-toi ça c'est chiffre, toi le célébrer ensemble avec Ban qui peut célébrer chiffre. Donc, c'est vraiment nous comprenons Tawhid, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas vous avez dit à nous, qui nous n'a rien à faire avec sa mancaïté de choses là, mais nous n'a rien à faire avec sa mancaïté de célébration là, avant qui. Quand nous parlons d'été, même déjà, ce qu'il appelle 25 décembre, même sa date-là, il n'a pas confirmé la naissance de Jésus. Mais dire, ça va nous qui peut célébrer Noël-là, à part qu'ils soient dans les gamins, je ne vais pas le mentir. À part qu'ils soient dans les gamins, je ne vais pas le mentir. Parce qu'il met dans quelle place, il dit, 25 décembre, c'est naissance de Jésus. Au contraire, quand nous parlons devant lui, vous ne dites pas qu'on est. C'est pas ça date-là. Et au contraire, quand nous vous lire, nous vous trouvons qui c'est plutôt. Mais il y a un chrétien, ils ont copié avec un mouchnik qui était dans une époque, parce qu'il y a Issa alayhi salam, il n'est pas un ancien célébré sur l'anniversaire.
Les manants saints pour croire dans lui en tant que fils de Dieu. Donc ça c'est ma chère que j'ai une vilaine avec ça. Donc Allah nous protège nous-mêmes. Et bien pourtant nous, si nous nous valeur torchée, nous devons mettre ça dans nos bons enfants. Nous devons faire nos bons enfants comprendre que ça c'est chère, ça c'est légalement. Fais attention, pour le ban qui dit avait l'année pour tout, nous vivons dans le pays multiracial. Nous faisons I, nous faisons Mahashivratri. Nous faisons Ganesh Chaturthi, nous faisons l'autre, nous faisons l'autre. Non, nous avons une identité, une dîme qui enseigne nous, Tawhid, tout qui sort, qui contredit à Tawhid, nous avons respiré avec ça. Donc ça va le faire, là, ça va le faire. Chirk, Kalla, Dali, God, nous avons besoin de ça. Apoul, Kalli, Hadar, Astar, 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 Kalli, Hadar